Les grands metteurs en scène, c'est ça, ils mettent sur scène quelque chose que vous n'avez jamais vu ailleurs. Ni au théâtre, ni au cinéma, ni ailleurs. Quelque chose de tout nouveau qui se passe là, sous vos yeux, en direct, qui est vivant, palpable, vrai, réel, et en même temps complètement spirituel, enfin, métaphysique, quoi, voilà, qui fait de la métaphysique sur scène. Il n'y a pas beaucoup qui peuvent faire ça. Chacun de ces spectacles m'a toujours laissé, m'a plongé dans une stupéfaction, une rêverie, une méditation même, incroyable. Et comme c'est une pièce qui raconte des visions ou des visions de voix, enfin, je vois qu'il n'y a pas un metteur en scène plus désigné que lui pour se mettre à l'intérieur de cette œuvre et la faire croître, la faire fructifier. Oui, il s'y met dans l'intériorité des choses, toujours à l'endroit où ça bat inconsciemment. Là, on est vraiment avec Roméo, on est dans une situation. Il a vraiment construit une fiction qui met véritablement Jeanne d'Arc au bûcher dans un tout autre contexte, mais qui, de manière très frappante, résonne avec ses thèmes les plus profonds. Regardez, on est dans l'espace, l'espace où on est, vous voyez, ça ne dit pas tout de suite Jeanne d'Arc au bûcher, ça ne dit rien de solennel. On est dans une salle de classe tout à fait concrète et entre un homme qui commence à nettoyer la salle. Ça part de là quand même. Alors là, vous voyez, ça, où, ce que j'aime, c'est que toutes les portes sont ouvertes. Ouais. Porte est là, le mystère est immense. Mais c'est un mystère. Mais c'est un mystère, c'est une allégorie, c'est un mystère. Donc les gens vont être enfermés avec Audrey. Et ils vont rentrer dans sa tête en plus. Et ils vont habiter cette tête. Et ça, c'est garanti. Hein. C'est ce qui va se passer. Parce que tout est fait pour que peu à peu, ce monde-là soit totalement habité par... C'est ce que je vois, moi, à chaque fois. C'est... Donc, et ce sera une expérience concrète. Ce ne sera pas un truc... Mais même, en fait, toutes ces voix, elles vont leur arriver aux gens aussi. Ils vont faire leur... L'expérience... Ils vont faire l'expérience de Jeanne d'Arc. Ouais. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils vont faire eux-mêmes. Faites votre Jeanne d'Arc vous-même. J'ai un petit manuel à faire sa propre Jeanne d'Arc. Quelle Jeanne d'Arc que je serais, moi. Voilà.